Alicia, j'ai 15 ans. Alors, je voudrais vous poser quelques questions, mais avant ça, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Je suis Colin et je fais le cadre sur ce film. Je suis Valérian et je suis acteur sur le film. Je suis Edouard Vermaster et j'aurais... Fait plein de trucs. En fait, on est tous un peu multitâches. Tout à fait. Je suis Samuel et je suis aussi un peu... On va tout faire avec l'équipe. D'où vous avez eu l'envie de faire des courts-métrages? Ça remonte à longtemps parce qu'on a fait un cursus cinéma tous ensemble, sauf Valérian qui nous a rejoint un peu après pour faire du cinéma en option cinéma audiovisuel au lycée de la communication à Metz. Et depuis, on a toujours un petit peu traîné dans le domaine. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cet événement? Bah, le défi des 48 heures, parce que l'un des pièges quand on fait des courts-métrages amateurs, c'est de commencer un projet et de ne pas réussir à le finir parce que chacun est en manque de temps. Là, en ayant une limite, on sait qu'on arrivera à quelque chose de fini au bout de deux jours. J'ai vu aussi l'idée de se retrouver. Ouais, ça fait longtemps qu'on s'en fait des trucs, c'est marrant. Quoi. Ouais. Que pensez-vous de ces trois contraintes? Très absurde. Lui n'était pas content du tout, mais je les ai trouvées assez marrantes et ça pousse à muscler l'imaginaire pour trouver une belle manière de les insérer en fait. Comment vous gérez le stress alors? Quel stress? Ouais, c'est du plaisir, il n'y a pas de stress. Ouais, là, c'est une vrai. Tension et une énergie, mais c'est pas du stress, c'est du plaisir. Ouais. Et pendant combien de temps vous pensez continuer le court-métrage? On aimerait bien en faire notre vie, pas tant les courts-métrages, mais ouais, faire du court-métrage jusqu'à faire des longs-métrages. Bon, merci alors. Merci à toi. Merci.